n'était qu'un pauvre petit bonhomme quand le producteur Walt Disney lui a donné le rôle principal dans le court-métrage Le Vapeur Willy. Du jour au lendemain, Mickey est devenu une superstar dans le monde entier. Régulièrement, il y a à faire de l'exercice. À la suite de quoi, son apparence a un peu changé. Il a un peu grossi et il a commencé à mieux s'habiller. Des rôles différents, allant de la comédie aux aventures dangereuses. Mais dans tous ces rôles, Mickey est toujours resté le même petit bonhomme, humble, de bonne humeur et au cœur en or, que nous aimons tous. Il est Mickey. Bonhomme, on commence à le dessiner avec une ligne. Cette ligne de corps en courbe dit à Mickey comment il doit se tenir. On l'appelle une ligne d'action. Mickey peut maintenant commencer à prendre forme parce qu'il est fait de formes rondes, y compris sa tête. Essaye de dessiner un cercle, légèrement au début. Dessine de façon décontractée et sans effort. Ajoute simplement des lignes légèrement courbes, verticalement au milieu et horizontalement en travers de la balle. Ces lignes sont des axes qui aident à placer les yeux de Mickey. Ils bougent quand la tête de Mickey bouge. Mickey peut maintenant devenir le petit bonhomme sympathique que nous connaissons. Utilise les axes pour placer les deux yeux de Mickey, de grands yeux ovales. Ensuite, les petites pupilles à l'intérieur. Maintenant, il peut te voir. Les yeux et tu obtiens le museau de Mickey. Le voilà! Sourire à l'aide de cette ligne courbe. En dessous de cette lèvre supérieure, ajoute un dessin en forme d'un large U. À l'intérieur de la bouche, un dessin formant la lettre M devient la langue. Tu vois, tu l'as fait sourire. Tu vas voir que lorsque le visage de Mickey bouge, ses différents traits changent de taille et de forme. Mickey porte tout le temps un masque. Suis la forme autour des yeux pour créer une forme en M arrondie pour le masque de Mickey. Ceci donne le contour de son visage. Là, en arrondissant les coins du sourire de Mickey. <t'en>
t'étourdir en tournant en rond. Tu peux aussi... En fait, les cercles qui deviennent les oreilles de Mickey ne sont pas parfaitement ronds. Ils sont un peu aplatis, comme si quelqu'un avait marché dessus. Les oreilles de Mickey sont difficiles à dessiner et tu devras peut-être t'exercer un peu plus. Oui, les oreilles de Mickey ne tournent pas, même quand sa tête tourne. Elles ont toujours l'air plates. Regarde. Le corps en forme de poire de Mickey. Il est préférable de voir les dessins comme un assemblage de formes différentes. Ensuite, la ligne d'action et les lignes courbes vers le haut pour obtenir la forme d'une poire. Nous savons tous que le brave Mickey ne prend pas ses jambes à son cou devant le danger. Mais regarde, il n'a pas de cou. Et les jambes de Mickey ont un peu cette forme. Les bras en forme de tube sont reliés à la partie supérieure du corps ou torse. Les jambes sont reliées à la partie inférieure. Un seul coup. Pour l'instant, dessinons des ovales et des cercles pour indiquer leur position. Bravo Mickey! Mais pour applaudir, il faut des mains. Dessinons les mains de Mickey qui sont plutôt grandes. Dessine trois doigts bien potelés et un pouce autour des paumes. Maintenant, étant une souris bien élevée, Mickey porte toujours des gants. Nous voulons donc mettre des revers sur les gants. Normalement, Mickey ne marche pas pieds nus. Il porte de grosses chaussures surdimensionnées. Ajoute des revers autour des chevilles et pour finir, une ligne de pli pour montrer l'endroit où la chaussure se plie. Puisque Mickey est quelqu'un de simple et facile à vivre, sa tenue préférée est un simple short. Avec des jambes larges. Sur le devant, il n'y a que deux boutons ovales. Queue. Le Mickey aide parfois à exprimer ses émotions. La petite amie de Mickey a toujours été Minnie.
comprend bien pourquoi Mickey a trouvé Minnie tellement charmante. C'est une partenaire à l'écran, intelligente, énergique et pleine de talent. La première mini-série, ils sont devenus l'un des couples les plus aimés et les plus populaires de l'écran. Eu des rôles où elle a pu montrer sa nature bonne et gentille. Elle est l'amie de tout le monde et de toutes les créatures. Des étapes. La ligne courbe nous aide à concevoir l'allure qu'elle va avoir. La ligne d'action, comme on l'appelle, agit en quelque sorte comme un squelette pour notre dessin. Dessiner sa tête. Utilise la ligne d'action pour déterminer où mettre le premier cercle. Et si nous dessinons ces lignes courbes sur le cercle plat, il commence à avoir l'air d'une vraie balle. Tente parce qu'elles vont nous aider à placer les yeux et le nez de Minnie. Elles nous montrent déjà que Minnie va regarder vers le côté droit de l'écran. Le bas de chaque ovale doit toucher l'autre axe. Tu peux remarquer que l'œil qui est le plus éloigné apparaît plus petit. Pas des cils, donc il vaut mieux lui en donner. Chaque œil a 3 cils. Le cil du milieu est un peu plus long que les deux autres. On ne peut pas oublier le museau de Minnie. Il va soutenir son nez. À l'aide des axes, commence une ligne courbe vers l'extérieur et qui revient ensuite au coin de sa bouche. Le petit museau de Minnie est un petit peu relevé de façon à pouvoir ajouter son nez de forme ovale. Dans cette vue de profil, la ligne pour la lèvre inférieure de Minnie s'étend à l'extérieur du cercle de sa tête. Qui agit comme des sourcils. Nous appelons cette forme le masque. Tu vois comment le masque suit la forme des yeux de Minnie, mais en plus grand. Son masque n'esquisse pas seulement son visage, il change aussi pour aider à montrer ce que Minnie ressent. Il vaut donc mieux ajouter des joues rondes et heureuses pour finir le masque. Cette partie du masque esquisse son sourire, de la même façon que la partie supérieure du masque détermine l'expression de ses yeux. Thank you.
ici, ça lui donne de l'équilibre. Ça l'aide aussi à exprimer ses émotions. Ses robes sont habituellement simples, mais très attrayantes. L'ourlet de sa jupe est juste au-dessus du genou et il est dessiné avec une ligne régulière. Les manches de son chemisier ne doivent pas être trop bouffantes. Elle lance souvent d'avant en arrière quand elle bouge. Regarde. Comique. Semble que le poisson est surpris Minnie. Alors qui attrape qui ici, hein? Tu vois maintenant que lorsque nous assemblons toutes les petites lignes, les ovales et les cercles, nous pouvons créer des dessins magiques qui deviennent vivants. Comme Minnie, continue à t'exercer. De gagner le cœur de Donald dans le rôle d'une séductrice passionnée nommée Donna dans le dessin animé Don Donald. Sont légales. Daisy est une femme résolue, indépendante et au franc-parler. Ce qu'elle ressent. On commence par dessiner la ligne d'action de Daisy pour déterminer la posture de Daisy et nous indiquer comment elle va bouger. Elle fait office de colonne vertébrale traversant toute son image. Tu peux voir comment différentes lignes d'action suggèrent différentes poses. En voici une qui me plaît. T'es dessinée ronde comme une balle. Commence par un cercle. Dessinons maintenant légèrement deux courbes guides, l'une traversant le cercle de haut en bas et l'autre de gauche à droite. Les artistes appellent ces courbes des axes. Ces lignes sont très utiles car elles positionnent les traits de son visage. Lorsqu'on bouge les axes, on déplace également ses traits pour montrer la tête de Daisy selon les angles différents. Ses yeux. Dessine. Dessine. Conserver sa ligne. C'est bien. Plus fin. Mais cette main est en forme de poing. Mais elle sait rester simple. C'est... Partie de tennis? Daisy a un service qui va montrer n'importe qui à sa place. Regarde, il semble qu'elle ait trouvé son égal. Eh bien, j'espère que tu feras preuve d'autant de détermination que Daisy en ce qui concerne tes dessins. Continue à t'entraîner. Donald a débuté au cinéma en faisant Coin-Coin en 1934 dans le dessin animé La petite poule avisée. Il n'a pas arrêté de faire Coin-Coin depuis. La nature espiègle de Donald et sa rapidité à se mettre en colère l'ont vite rendu populaire auprès des spectateurs du monde entier. Donald est aussi devenu une espèce de grand voyageur, sa curiosité l'ayant entraîné dans de nombreuses aventures.
C'est tout. Les qui non, cette fois-ci. Mais nous, nous avons à coup sûr été des pros dans l'exécution de notre dessin. Oh, Donald, relax. Tu peux essayer de nouveau. Essaye de le dessiner encore et encore, et je suis sûr que tu auras plus de réussite que Donald. Parmi tous les amis de Mickey, Pluto est le plus ancien et le plus fidèle. Mais cette amitié n'a pas commencé immédiatement. Notre héros canin a été découvert en 1930 dans un film intitulé La Symphonie enchaînée. Ce premier rôle à l'écran n'était qu'un rôle de figurant où il jouait l'un des deux limiers sans nom. Star a joué le rôle de Rover. Dans cette histoire, il apparaît comme appartenant à Minnie et il est plutôt désagréable avec Mickey. Ensuite, ce chien adorable a fait équipe avec Mickey et une amitié éternelle s'est formée. Peu après, le producteur Walt Disney l'a nommé Pluto. Mickey et Pluto ont toujours été depuis des compagnons loyaux à l'écran comme à la ville. Allez, c'est le meilleur ami que quelqu'un puisse avoir. Maintenant, tu vas pouvoir apprendre comment on dessine Pluto. Tu sais ce que les chiens... Plus faut donc... Rate rarement, c'est bien Pluto. Et nous avons aussi bien travaillé. J'espère que tu as compris comment dessiner Pluto. Le dessin est vraiment quelque chose de passionnant, non? En 1932, un individu à l'allure complètement différente, prénommé Dippy Dog, était assis parmi les spectateurs de Mickey au théâtre. Peu de temps après, on l'a connu sous différents noms, Quenotte, Piloche, puis finalement Dingo. Ça a été une révélation importante. Tout raté. Dingo a étalé sa maladresse d'un film de sport à l'autre pour le plus grand amusement des spectateurs. Oui, Dingo est l'un des personnages favoris de tout le monde. C'est facile d'apprendre à dessiner Dingo. Les étapes. Puis tant, la liste. Il n'y a aucun doute. Pas même ses grands pieds. Eh bien, c'est certainement le truc le plus dingue que j'ai jamais vu. Mais c'est ce qui est bien avec Dingo, cela ne l'arrête pas. Alors même si tu te trompes dans ton dessin, fais comme Dingo, persévère.
Yeah.